Salut YouTube, on va aller buter un golem de feu, c'est parti. Hop là. 220 000 Pourquoi? Même il faudrait mettre pourquoi que. Pourquoi que vous venez pas sur Twitch, YouTube? Pourquoi le bouclier de la tortue dans le dos? Parce que ça fait remonter l'endurance plus rapidement. Bearing. Je sais plus où c'est le géant. Je sais pas si c'est par là ou pas. Bearing, attends, c'est par là. Je suis bête. C'est ici. Code céruléenne. Merci Bering pour le follow, merci beaucoup. Salut à ceux qui arrivent, salut à Flynn aussi, coucou tout le monde. Il nous dit Flynn, salut salut Flynn. Apparemment ouais, il y a eu un patch pour le jeu. Ouais. Allez, let's go. C'est parti. Avec mes runes en plus, et c'est la nuit, à l'aide. Putain, on y voit que dalle là. Apparemment, ils ont nerfé des trucs. Ah, je le voyais pas. Faut que je le vise. Bête. Oh non! Oh, j'ai sauté! Ah, il fait moins de dégâts, vous avez vu? Quel pied j'avais. Aïe. Ah. Merde. Et merde. Cinquante-deux mille de dégâts, c'est monstrueux. Je vais parer. Eh, nickel. Oh non, je roulais. J'ai roulé. Oh non. Non, 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 ça passe. Ça doit y prendre et c'est fini. Oui, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Merci Ouzi pour le lurk. Salut Ouzi, des bisous. Ciao ciao. N'inquiétez pas pour ceux qui sont là et qui veulent pas se spoil, je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème. C'est normal. Ah bon.
fini là. Let's go. Non! Merde! Allez là! Et de 3! Oh, l'alarme secrète vert émeraude, dis donc. Ouais, ça va, il reste longtemps au sol. Bruit de paix pour Slate Crackers. Salut Brest, du coup, il n'y a pas de souci pour le départ anticipé, en cas de spoil. Et Thomas qui a failli faire une boulette dans le jeu. Un vendeur, je croyais que j'étais en train d'acheter un... En fait, j'étais en train de vendre. Oula, putain, je me disais trop cool. Il y a des pierres dedans. Putain, Thomas, mon pauvre. OMG, il y a un bug. Quand j'achète des objets, je gagne des rênes. Oh, putain. Incroyable. Salut à Tité, coucou. Salut à Anne Cadavérique aussi, coucou. Ok. J'en avais fait un là aussi, là. Ah, c'était l'enfer, cette zone. Salut Chico! Comment ça va, Chico? Coucou à toi. Bienvenue. Salut Frogilite. Salut Pomancy. Bonjour. J'ai été juste à temps. Eh ben, t'as eu du pot. Du coup, je suis là. Moi, j'aimerais aller à... Voyons voir. Avançons pour voir. J'avais débloqué un feu par là, là. Il me semble. Je vais aller me reposer surtout. Putain, on y voit que dalle. OMG, l'alamodo, planquez-vous avec vos spoils. Ouais, j'avais besoin, là, Chico. J'avais grave besoin. Alors attendez, hop. On peut se mélanger dans la fiole, bon, ça... Ah bon. La décoction finale permet d'ignorer toute consommation d'enduit. Ah ouais, ouf. Ça c'est fort. Oh. Wow. Ah ouais, c'est super fort. Comment je peux faire... On va aller là-haut. Attends, on va mettre le jour. Let's go. On va essayer de trouver ça, là. Ah, oh, je dois avoir une trentaine d'heures, à peu près, sur le DLC. Un truc comme ça. J'ai trop de délai, du coup, Ryokai snipe à un moment. Super fort, allez, Osef, continue. Oh, c'est vrai, ça peut être fort si... si tu fais Malenia avec des lames doubles d'Eleonora. Et que tu continues, tu la bourres. Je pense que ça peut être fort, ouais. Kirito, 7380, suis la chaîne. Salut Kirito, merci pour le follow. Salut Typhon. C'est quoi ton armure? Je prépare une vidéo pour mon build, c'est l'armure de Gaius. J'ai fait... je préparerai une vidéo pour que vous puissiez la trouver easy. Shadowgo 007, suis la chaîne. Merci pour les follow. Merci tout le monde. Je pense que ça dure pas très longtemps. Je pense que ça dure aussi longtemps que l'alarme secrète céruléenne. Ah là là, Chico. Comment tu sais qu'il te reste cette boss? T'es un Chico qui arrive au bout, le pauvre. Ah, ça marche déjà? Le boss checklist? Oh, trop bien. D'accord. Putain, je savais pas. Putain, ils ont été réactifs, les mecs. Hein. Ah bah après, c'est juste un petit truc qui se met dans les fichiers du jeu, je pense. Attendez, voyons voir.
Ah oui, c'est vrai que ça considère comme un virus, ce truc-là. Ouais, non, je le mettrai pas, Lana. Non, je le mettrai pas. Putain, j'y ai cru, là, ce que j'ai fait. C'est quoi le truc que j'ai mis? Sieste en tailleur. C'est peut-être pas la bonne sieste. Attends, y a pas un autre truc en tailleur, là? Putain, j'y ai trop cru, là. Mais il sieste, non? Ou il se prosterne? Ah ouais, ok, d'accord, Chico. Ouais, c'est ça, c'est... Bah, c'est comme le truc des runes, là, de type 1. Ça me disait aussi que c'était un virus. Le truc de check des runes, le mod, là, qui m'a effilé. Ah, vas-y, j'étais trop chaud, ça partait d'une très très bonne idée, là, mon histoire. Alors, comment je fais pour aller là-haut, là? Attendez. On peut peut-être le voir de là. Mao 999 suit la chaîne. Merci Mao pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Ok. Oh. Je peux pas aller là. Encore un camion poubelle. Un énième. Genosis 060 suit la chaîne. Ah, je peux pas ouvrir la map, merde, Chico. Merci, Genesis 360, pardon. C'est Genesis. Sacré groupe. Putain, mais il y a un légendaire là-bas. Abonne-toi. Mais c'est pas là que je suis mort plein de fois. Attends, je capte pas là. Hein? Putain, je peux pas ouvrir la map, merde. Un shadow, merde. Ouais, ils ont sorti un patch ce matin, apparemment. Taurus Raz suit la chaîne. Merci, Taurus Raz, pour le follow. Bienvenue. Ah, mais là, je peux y aller comme ça, là, en fait. Attendez, je peux y aller par en bas, là. Ok, mais par contre, là-haut, là... Ceci m'intrigue, fortement. Ah! Eh ouais, je suis par terre. Fuck! Voilà. Ok. Je peux descendre là? J'ai pas l'impression. Non, je vais être obligé de passer par là. On va redescendre. J'explore, hein. Le patch, apparemment, il a nerfé des boss. Enfin, ça a nerfé pas mal de trucs. Alors, attendez, je descends. Ah, ça répare les problèmes de framerate. Ah, ça c'est cool par contre. Attends, la map, Chico. Putain, mais pourquoi je peux jamais ouvrir ma map là? C'est quoi ce merdier? Non, ça a pas été nerf. J'ai dit de la merde. Non. Apparemment, ça augmente le pouvoir des esquilles. Voilà ma map, Chico. Voilà ma map. Ouais, j'ai bien avancé en vrai. Salut Cyborg, coucou. Alors là, normalement, je dois pouvoir monter là. Attendez. Sur ça passe. Non, alors ça passera pas là, mais sur le côté, ça peut passer peut-être. J'arrive à choper un petit rôle. Oh, par là? Non. Voilà, sur ce rebord. À mon avis, ça va passer par là, là. Tac. Hmm.
Ouais, puis, moi pareil, j'ai pas envie de finir. Mais après, bon, faut se dire, il nous restera quand même des quêtes à faire, il nous restera des trucs à découvrir quand même. Hein. Ça, c'est... Plus sûr qu'il y a un autre moyen d'y aller, mais... Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Parle pas. Ok. Un jour on se verra, Haribo, je t'en ferai bugger. Oh, ben du tout, Chico. Bon. Combien de runes? 200 000, non? J'aurais du TP, là. J'aurais du TP. Non, si c'est sur le rebord, je me flingue. Ok, te manque le boss final, d'accord. Mais... Les muguets, franchement, c'est du scam, là. Putain, mais elles sont mes runes, non. Mais non, elles sont sur le rebord. Ah, c'est sûr. Il y a de la lumière. Non. Non ! Non, mes runes ! Mes runes ! Mais non ! J'ai droit qu'à un essai. Ouais. L'un qui mérite le ban d'avoir dit ça. Non. Je suis sûr que je peux les récupérer. Comment je suis monté là? Le premier coup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? T'as pour un muguet de merde. Perdu mes runes pour un muguet. Attends, mais comment je suis monté là? Alors. Ça marche plus? Attends, mais je suis bien monté là tout à l'heure, j'ai pas rêvé. Mes runes sont là-bas. J'ai commencé une new game. Je redécouvre mon aversion pour les boss draconiques. J'espère que j'en croiserai pas trop dans le DLC. Non, t'inquiète. 200 000 le muguet, j'avoue. Ah, c'est bon, putain. Je suis même pas sûr que ce soit par là qu'il faille passer, qu'il faut passer. Tiens, on va pas faire le con. Je me laisserai pas atteindre. Ça m'atteint pas. Hein. Ça m'atteint pas du tout. Ça m'atteint que dalle.
Je vais passer la terre. Bon, ça avance bien. Le panic jump, ouais. J'ai fait le panic jump. Non mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je sais pas où aller, en fait. Ici. C'est le truc des doigts. Ici. Je sais pas comment y aller, là. Ah mais par là. Ah bah ouais. Ah mais si, c'est sûr. Tac 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 tac. Peut-être par là, tac 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 tac. Ah ouais, ça a l'air d'être par là, on va voir. Ouais, les runes, c'est fini. C'est fini les runes, c'est comme ça. On se sent léger sans les runes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi là, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens pas atteint. Pas du tout. Genre vraiment pas. En plus, c'était pas du tout les runes d'un boss, donc c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. J'ai envie de me dégueuler dessus. De bonheur, bien sûr. De bonheur et de joie. Ok, donc le point numéro 1, c'est par là. Ok, on va aller voir. Il y a un drone et ça communique. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait une pente à 100% pour... Il va y avoir une pente à 100% pour monter, ouais. Ça, là, ça m'étonnerait fort. Hein. Pilou live. Merci pour, pour les 30 bits. Merci infiniment. J'adore tes lives, dommage que t'en fasses plus. J'adore tes lives, dommage que t'en fasses plus. Ouais, c'est vrai que là, je me suis mis... Là, j'ai arrêté, là. Là, j'ai arrêté fort fort les lives. J'avoue, je suis pas hyper régu en ce moment. Je suis vraiment pas régu. Je suis en dessous de tout. Puis en plus, j'ai pas posé de jour de congé pour streamer. Et vraiment, je me considère comme étant une grosse merde, hein, je vous le dis. Mais vraiment, une sale merde. Je suis désolé de pas être en live, les amis. Je suis vraiment désolé. Elle est pas mal, la rediff. Hein. Profitez. C'est mon dernier stream de rediffusion. Je sais pas quoi faire. Heures de pêche. Je suis dépité aussi. Mais putain, on peut pas passer là, alors qu'on pourrait passer ici. Pas du tout. On pourra jamais passer là. Attendez, j'avais débloqué une zone où je suis jamais allé. C'était ça. Chico, j'aimerais bien si. J'aimerais bien un indice, mais je sais pas. Attendez. Ne me dites pas d'indice, attendez. Je réfléchis. Je suis sûr qu'il faut venir de par là, là. À mon avis, il faut venir d'ici. Salut, Surf and Rire, coucou. Ah, j'ai fait un avis, tu peux taper Surf and Rire sur YouTube, point d'exclamation, avis. Non, je veux pas d'indice. Calmez-vous. Regarde mieux, s'il te plaît. Ok, ça, c'est pas mal. Moi aussi, je lis vite, attention. Avis, voilà. Ça se trouve, c'est juste là. C'est juste ce truc. Non, parce que si je demande à une personne, sinon c'est la foire, ouais. Ouais, si je, de toute façon, si je demande, ça sera à Chico. D'accord? Et seul Chico sera capable de répondre. Parce que tous les autres vont se faire ban. Def.
C'est vrai que la map d'Elden a une lecture à chier. Moi, en fait, c'est le truc des coquelicots, là. Ça a l'air chouette, les coquelicots, là. Attendez. C'est vrai qu'elle a une lecture à chier, cette map. Hein. Je suis où là? Je suis là? Ah mais je me suis TP, merde. C'est vrai. Je me suis TP. Franchement, on y est là. On y va fort là. Non, j'ai pas vu Romain sur YouTube. Oui. On y va fort là. Alors, Clail, pas de backseat, pas de spoil, sinon ban. C'est tout. Désolé, ouais, mais c'est comme ça, c'est la règle. C'est la règle que tout le monde doit respecter. Ça, franchement, pour moi, c'est là. Ouais. Pour moi, ça va passer, ça va se passer là. Tac. Après, c'est les coquelicots. Ça va être trop bien. On va aller cueillir des coquelicots dans les prés. Seul Chico peut backseat. Ouais, il n'y a que Chico. Ouah putain, la zone. On a droit au poney ? Ah ouais. Non, mais c'est clair. Hein. Frigdrasil. Ribo ! Comment ça va, champion ? Rien que te voir égayer ma journée. Eh ben alors ? Oh bah alors ? Tu passes une journée de merde ou elle est encore mieux parce que tu me vois ? Oh là là. Je me faire défoncer, je pense. Wesh. Tu penses faire un live quand? Je sais pas, Ultimanu. Je suis désolé, hein. Pile ou live, là, je... J'ai merdé, hein. Bale, ô terreur incarnée, me voilà de nouveau devant toi. Putain, c'est Batman, non, Bale? On va se battre contre Christian Bale. C'est parti. Coucou, les jeunes. Salut, Voxol. Voxol, j'ai dû agir. J'ai mis Ryokai et... Comme on avait dit là, en modo. Et j'ai aussi rajouté Lenlen et Kalia au cas où. Ça y est, le snipe. Oulala, le snipe est arrivé là. Ouf, attention les gens là, attention. Essayez de mettre des messages, ils vont vous sniper. Essayez le troll, ils vont vous sniper. Ça pue, non? Oh putain. C'est Agil. C'est Agil version bébé. Let's go. Bon, j'en ai rien à foutre des dragons. Ça fait pas de dégâts. Ah merde, ça craint pas le feu par contre, les dragons. Ça craint le persan et la glace. Ordinaire et persan. Très bien, ça. Go, mec. On va se la donner, les gars. Je retourne bosser. Ok, des bisous, Vox. Le dragon du pic déchiré du cul. Ouais. On va se régaler, là. C'est un Aggie. C'est du recyclage, quoi. Finalement. Pas du tout. En fait. Pas du tout, du tout. C'était quoi ces éclairs? Trop rapide, mec. On va se soigner.
Ça va, on les a assez battus dans la haute de Sismodes, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille, hein? Après, s'il y en a un tous les 10 mètres, ça va être compliqué par contre. Merci Biscuit pour le follow sur YouTube. Merde! Voilà, t'es dans la bite! Ah ben voilà, il fait du feu alors. Aussi con les dragons, hein. Ben voilà. Bise. J'ai même pas retenu son nom. Ouh. Chair d'écailles de dragon. Inventaire. Consommée telle quelle, elle améliore la vigueur, l'endurance, la force et la dex. Mais draine peu à peu les PV. Kono et veine de trucs. Salut Pearl, coucou. Et salut à Royal No aussi, bonjour. Je crois que son nom c'était Dragon. Ah ouais! Sans deck! Ça va, Pearl? T'as fini le DLC ou pas? Tu te régales? Moi je viens pas, je suis en panique, je peux plus venir sur les streams déjà, je suis en dépression. Forte. Forte et totale. Tu l'as pas finito. Moi non plus je l'ai pas finito. Je suis subjugué par ce DLC. Je t'avoue que je trouve qu'il est tellement beaucoup plus fort et complet que le jeu Vanilla. Après, le jeu Vanilla a fait les bases. Mais là, franchement, le level design, ça claque tout. Son nom, c'était Dragon 6320, ouais, c'est ça. C'est sur le dernier boss, ok. Tac. Bon. Combien j'ai eu de runes? Oh, 90 000, j'aurais pu passer un level, du coup. Alors, il y a deux chemins possibles, voyons voir. Ah, ça fait plaisir la verticalité. Pourquoi on aime autant ça, la verticalité, dans les games? Je pense que je vais descendre, du coup. Je vais aller par là. Par contre, c'est juste trop impressionnant. Je suis passé te voir Pearl Rapido hier. Je t'ai vu avec cette arme. Elle est stylée, cette arme, en vrai. Elle est cool. C'est ça, ça pousse à se creuser la tête. Plutôt qu'une grosse flèche qui te dit « Va là-bas !» Zoom avec... Révélio. Ouh là là, la zone des moutons. Putain, mais c'est un mini-boss, le truc. Ouais, moi aussi, j'en ai utilisé un paquet. J'aime bien tester. Mais quand même, mon coup de cœur, ça reste quand même mon gaufrier Lagrange. Je le dis, mais mon gaufrier Lagrange, c'est le plaisir. D'ailleurs, je vais le reprendre. Il est... ici. Et les stats de ça, c'est quoi, là? C'est 20 en dex. Faut que je mette 2 levels de dex. Mais si j'avais pas perdu mes putains de runes, j'aurais pu mettre ça. Hein? C'est tout? Il a tellement une âme, ce DLC. Wow. Mais je suis... Merde, j'ai pris ma fiole. Merci. Ah ouais, le fer à repasser, c'est utile en toutes circonstances. Franchement, c'est vraiment un putain de weapon art, là. Y a là-dessus. Oula.
Salut Força, coucou. Ah, t'as des fulminias rouges. Comment ça s'est passé sur le lion? Le lion magique. Le lion du plaisir. Est-il tombé? Ah, on peut remonter par là ou pas? Ouais, le fameux DLC à peine plus grand que Necrolem, c'est ça. C'est celui-là. C'est celui-ci, ouais, c'est tout à fait celui-là. Il est vraiment pas... Moi, de toute façon, je le trouve tout petit, le DLC. Le lion est mort hier soir. Ok, GG. T'as la meilleure réponse, quoi. Putain. Incroyable. Eh ben, en tout cas, c'était vachement plus technique, à mon avis, en RLM, que ce que j'ai fait hier, moi. Ce que j'ai produit hier sur le lion, c'était vraiment, vraiment merdique. Ah ben voilà, on a trouvé. Et ils sont où, les coquelicots? Parce que là, franchement, il y a besoin. Hein. J'ai besoin de fraîcheur, là, moi. J'ai besoin de verdure. Putain. Et par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même des bonnes influences TOTK, Breath of the Wild. Hein. C'est ce volcan-là. Ce volcan... Si c'est un volcan, c'est un volcan. Je regarde pas la bonne direction, c'est par là. Ce truc-là, là, ça ressemble au grand volcan de Teoteka. Vous savez, là où il y a le lézard dessus, dans Breath of the Wild. Il n'est pas Teoteka. C'est pas ça. Enseigne la fabrication des éléments suivants. Graisse de la communion draconique et le harpon de communion draconique. Stylé. Graisse de la communion draconique, ok. Donc c'est d'autres graisses que les graisses draconiques. C'est de la communion. Draconique. Je joue pas au jeu Sims. Bientôt les Sims 5 hein, viennent d'ailleurs. Soon. Hein. Salut Dead Life. Coucou. Bienvenue. Le grand hôtel de la communion draconique. Et dans Draconique, il y a Draco. Ok. Eh ben, on peut se reposer. Oula. 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 Ça fait quoi si je vais dans ce feu? Je vais peut-être me reposer avant. Est-ce que je vais communier draconiquement? Ah mais il y a un dialogue, ok. Attendez, le PNJ d'abord. Salut mec. Eh ben, ça c'est les Parisiens. Ça manque de vitamine D. Mais genre fort fort fort. Hein. Brave guerrier. Imaginez-vous repaître de l'essence d'un dragon, tous les jours, tous les matins j'y pense. Dévorer le cœur palpitant du plus ancien et abject de tous les dragons. D'accord? Oui, oui. On ne saurait concevoir communion plus pure. Sera l'assouvissement complet de votre fin et l'achèvement de votre ascension draconique. Eh bien, t'en as toi des choses à nous dire. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Ah... Eh merde. Non, répondez pas, répondez pas. Oui, ma casquette peut s'acheter avec point d'exclamation boutique. Et il y a aussi le tablier. Il y a aussi le tablier. Salut Camille, je t'ai pas dit bonjour. Coucou Camille. Vas-y, je dévore. J'y vais, là. Allez, vas-y, je le fais. Il doit en être ainsi. À présent, cherchez le pic déchiqueté. Vous trouverez Bale, le plus vieux et infâme des dragons. Champion, rivez à terre, écoutez vos désirs et pourfendez cette vile créature. Ah oui, c'est vrai Camille, non mais t'inquiète. C'est que là, les modos, ils sont en mode sniping. Ah, c'est au nom du seigneur Placidu Fiax. Attends, mais là, non mais j'y vais direct là. Mais mes runes. Ah, ça va. Bénédiction du dragon ancien. Ah, c'est comme un serment, c'est ça? Attendez. Je suis désolé les modos, je me pose trop de questions. T'inquiète Camille. Je leur ai juste demandé à tous les modos de supprimer que tes messages. Bah, j'ai pas tout lu. Je suis nul en l'horreur au même. Ah si, j'ai compris. J'ai compris que Bale, c'est le gars, c'est l'acteur qui joue Bruce Wayne dans Batman
et que Placidus Sax était en réalité le Joker et le fils de Reyna la P2 avec le géant de feu P1. C'était ça, depuis tout ce temps. Exact, bien joué, mec. C'est sûr, c'était ça. Salut, Xelin. Moi, je veux voir les coquelicots, là. Ah, c'est par là, les coquelicots. Ok, go, les coquelicots, mais alors... Attendez, on va quand même regarder l'objet, parce que ça a l'air d'être un sacré objet clé. Consomme des PC pour améliorer la résistance à tous les dégâts. Ah! Y compris physique. Augmente également la résistance aux dégâts lorsque vous gardez. Ah ouais! Attends, mais... Nom de Placidus Sax, seigneur d'Acronie. Alors je sais que Placidus Sax était un des premiers seigneurs d'Elden pendant des millénaires, et c'est tout. C'est le père de Placy. C'est son cousin. Il y a un truc là. Pas du tout, c'est le soldat de Godric qui a eu une aventure avec une ombre de cimetière. Oh là là, oh le coquin. Oh le coquin. Et le pingouin, c'était qui? Il y en a vu un pingouin. Je sais même pas. C'est lui le pingouin? Ouais, ça a l'air d'être une bénédiction de Fia, mais attends, du coup, je peux l'utiliser à foison ou pas? On va quand même tester, mais... On va regarder. C'est par là, normalement. Dans les objets clés, peut-être. Ah bah tiens, couteau de feu. Ouais. Ça s'utilise super vite, c'est un buff. Attendez. On va aller dans la zone des coquelicots. On va aller faire un pipi tactique à un moment aussi. Du coup, attendez, parce que là, du coup, ça a augmenté ma résistance, on peut le voir là-haut, sur la barre. Mais je voudrais l'équiper en truc rapide. Il est où ce truc? Il est où cet objet? Sacoche 1, sacoche 2, sacoche 3. Mais il est où? Oui, je me pose des questions à moi-même. Tu peux poser des questions dans la LOL, mais du coup, attention à pas spoiler ou quoi. Cherche l'objet. Peut-être qu'il me le redonne. Attendez. Warrior true. Oh! Very well. If you hunt and seek to, then I shall bring the name of my lord. D'accord. Ok. Si c'est comme Fia, elle me redonne le truc. Ok. D'accord. Nickel. Warrior. Et là, l'interroger sur Bale. Il y a fort longtemps, Bale se retourna contre le seigneur draconique. Ah mais c'est lui qui a banni Placidus Sax à Pharum. Ce traître abject attaqua notre souverain en lui infligeant une terrible blessure avant de s'enfuir à toute hâte. Il devint ainsi l'ennemi juré de la couvée. Depuis ce jour, les rejetons de Bale ont été sacrifiés lors des rites de communion draconique. Depuis ce jour, ok, guerrier rivé à la terre, Monseigneur Placidus Sax a montré la voie à votre espèce. Ok, cherchez la communion, satisfaites votre insatiable appétit. Vous exultez lorsque l'essence d'un dragon emplira votre frêle enveloppe. Okay. Bon là c'est le truc de l'essence de je sais pas quoi. Ok, bon d'accord, ben, on va tester d'aller voir les coquelicots. Ouais, il y a des nouveaux sorts, ouais. Il y a plein de nouveaux sorts, j'en ai débloqué d'ailleurs, et je pense que je vais respect magie. Je suis trop chaud, vu le katana que j'ai débloqué.
On va vous mettre au frais. Harpon de communion draconique, dis donc. Ok. Ah, d'accord. Oh, c'est trop bien ça. C'est des objets de G, non? Oh, ouais. Donc ça doit être un peu comme... Oh, trop bien. Attends, mais c'est des harpons, carrément. Incroyable. Bon, j'en avais que 12. Mais les coquelicots alors? J'ai pas droit aux coquelicots. Peut-être par là. Ah. Ça pue la mort, non? Ah bah t'es par là. Attends. Bah oui, je suis con. Oh là là. D'accord. On peut aller par là. Ok. Cool. On revient dans des zones un peu normales. Bon, on ira toucher le feu plus tard. Je pense que ça m'amène à un combat. Juste du coup, puisque ça arrête pas de parler de Bale. On va d'abord faire la zone des coquelicots. Oh, c'est joli. Que c'est beau. Allez là, petit mausolée là. On veut se battre. Allez ben on y va. Let's go. Wow. Superbe. Superbe. Le tombeau secret de Charo. Là, il y a un nocher. Oh. Oh, vous m'avez manqué les nochers. J'arrive. On va se la donner. Tu vas tout donner, mec. Wow. Boah, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, Charo, ça me bute par contre. Et si tu le prononces comme un basque, c'est Charo. T'es un noché, quoi. Incroyable. Il va m'éclater. Attendez, je vais voir ce qu'il invoque. Oh putain. T'es un petit connard, toi. T'es un petit connard de noché, quoi. Salut Vladadam. Oh la rouste. Ah, je suis trop content d'avoir vu, ouais. Je suis vraiment super content. Oh. From Software, ouais. C'est mort. Se frotter les mains en plaçant ce nocher. Oh là là. C'est mort. Je... C'est mort. Bébé. Non, mais on va y retourner. Hein. Moi, je fais de la foi, j'en ai rien à cirer. Je vais aller le soigner, moi, le nocher. Il m'avait manqué, ouais. Oh. C'est celui que j'avais à la place de Malenia, ma old bossise, là. Sur le 165. On la touchote. Non, mais du coup, on va... on va pas le laisser respirer. Parce que là, du coup, je l'ai laissé respirer, mais je vais le gaufrer. Mon gaufrier Lagrange va... va gaufrer le nocher. Gaufrons le nocher. Charo, va. Charo. Let's go. Du coup, c'est un boss. J'ai même pas vu s'il y avait une barre de boss. Surtout qu'en plus, ils le font pas réapparaître là où il est. C'est ça qui est salaud. Merde. Il a eu le temps, hein. Oh putain. Mais non. Et merde. Je vais lui faire un contre-mikiri, tu vas voir. Attends, il va me vomir dessus. Chasser de côté. La belle doublette.
crève. Et ben le scaling, il tente pas lui de l'avoir se nocher à la place de Radagon. C'est un trashman. Ouais, c'est un trashman. Mais non. Mais il est où? Fromage blanc, bordel! C'est épais. Ah, il est à un étage supérieur. Il va le réinvoquer, ce saligo. Non, mais... Le manuel des eaux. Catalyseur des eaux. On fait des chemins. Catalyseur des eaux. Oh, je peux fabriquer ça? Ah, il faut du granit tranchant. Catalyseur des eaux. Consomme des PC pour invoquer un nom mort. Attends, je peux invoquer un nocher. Âme de gardien des tombes et criquet. Sépulcral. Ok. Bon, il me faut des criquets. Et le deuxième chez qui je le vois se TP alors qu'il a plus que 1 HP. Ah, donc peut-être qu'il va nous le faire à chaque fois. Il a un HP. C'est peut-être fait exprès. Hein. C'est peut-être probablement fait exprès. D'accord. Moi, je viens de là. Hein. Je suis pas allé là. Je suis pas allé là. Je suis pas allé là. C'est parti. Je pense qu'il n'y a rien au... Ça va. Ou trois endroits, mais bon, on va vérifier quand même. Si peut-être là, il y a des trucs, là. Je comprends pas comment on peut faire une DA aussi sublime. C'est... ils ont vraiment des bons artistes. Salut, Mogne. Comment ça, Mogne? Salut, Fraté. Fraté, c'est plutôt Marseille. Hein. Moi, c'est l'Aveyron. Hein. Comment ça va? Ben parce qu'on est habitué à ce que ce soit la Batcave, justement, de Bale. Mais ouais, les, derrière les cascades, il y a toujours des trucs, normalement. Oh, ils sont pas contents. Ah, j'ai oublié de vous mettre l'emoji des trucs pas contents. Mince. Mais j'ai la capture d'écran, du coup, pour le faire. Mais on l'aura, du coup, vous l'aurez soit ce soir, soit demain. Mais roule! Je vais pas mourir de ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ok, ben y'a rien. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont aussi énervés? Salut Gouzi, salut Dracounet, coucou, salut Robin aussi. Eh bien ça va, écoutez, je découvre. Je me régale, c'est vraiment un plaisir. Apparemment le patch a rendu plus facile les améliorations en début de jeu avec les esquisses, escaguettes, comme on dit pas. Comme on dit pas, surtout. Salut Volcan, comment ça va? Ok. Un crâne gardien des tombes. On va pouvoir invoquer le nocher bientôt. J'ai bien fait de venir. Il va me manquer juste des criquets. Et ça, c'est quoi? Des branches apaisantes. Accumule lentement du sommeil, mais restaure peu à peu des blessures. Merci les trois, suis la chaîne. Ah ouais. Ouh, il y a de quoi se soigner, là. Merci à Merzlier. Merci pour le follow, merci infiniment. Mogne suit la chaîne. Et merci à Mogne aussi pour son follow, merci beaucoup. Je vous mets ça, c'est gratuit. J'ai fait des cuisses de poulet avec poivron, aubergine et courgettes ce midi. Vas-y, mais bute-moi, va! Voilà.
Et c'était vraiment très très bon. Vous l'entendez le... Voilà. C'est quand je suis mort. Hein. C'est quand j'ai décédé. Le voilà. Et le loup dissident qui prend son sub. Merci beaucoup le loup dissident, merci beaucoup. Allez, je te mets ce son du coup. Merci beaucoup. Fromage blanc, bordel! Vraiment, hein. C'est interactif ici. Tu régales, moins que le poulet. Ah, floraison de feu spectral, d'accord. Il se bat tout seul. Oh, le tank. Mais j'ai pris du mana. Merci Romain Jacques qui renouvelle son sub. On peut voir sous ta casquette. On peut. C'est possible. Merci Romain. Merci beaucoup. Abonne-toi. Le vas-y mais bute-moi putain. Ah putain, vous l'avez là. Ils ont tous sorti les mochis. Je vous déteste. Je vais le supprimer cet emoji. Je vais le supprimer, je vais le remplacer par un truc où il y a... Je sais pas. Je vais le remplacer par d'autres trucs. Ok. Allez, on avance. Les coquelicots. Ça avance bien les coquelicots là. Oh. Wesh, je suis débile. J'ai oublié que j'étais dans un From Software. Y a rien qui est gratuit. Antoine 2109 a offert un abonnement de niveau 1 à Mikiki. 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 C'est clone, il a pris un peu trop de rosé. Merci beaucoup Antoine, merci pour le subgift à Mick. Abonne-toi. Ah ouais, j'avoue. Oh, ça doit être trop chiant à faire ça, Pearl. Le truc de casquette infinie. Clac, clac, clac. En vrai, c'est faisable. Il suffit de faire un arrêt sur image quand j'ai la casquette. Ensuite, rotoscopie. Rotoscopie abondante sur After Effects. Et après, c'est good. Tout pour le capa doré. Ah, mais ça existe le capa doré? C'est aléatoire, non? C'est ça, le capa doré? Ça tombe sur certaines chaînes à certains moments. Capa doré. Allez, on avance. Je voulais juste voir le sortilège que j'avais débloqué. Ah donc déjà, j'ai débloqué des cliquets. Kalina a envoyé 100 bits. Eh ben, vous avez dosé là. Ça s'appelle doser. Ah, c'est un train de la hype dorée, vous allez débloquer le capa doré. Incroyable. Fromage blanc, bordel. Incroyable. Bon, il faut que je règle tout ça, de toute façon, pour qu'il y ait des timers. C'est surtout que sur les bits, il y a les deux voix, en fait. Merci, Kalia, pour les 100 bits. Pardon, je vais te remercier, c'est des sous, quand même. Merci beaucoup, Kalia. Attendez, il y avait un feu, là. Comment je peux y aller, là, sans mourir? C'est derrière le nocher. Ça fait chier de passer par là, là. Ça fait chier de revenir en arrière, en fait. Ouais, c'est au-dessus de la zone bleue. Putain, j'ai passé 8 heures au bloc pour ma rotoscopie la semaine dernière. C'était infernal. Mais je pense que c'est le Scoopy qui fait ça. Enfin, ouais, franchement, j'en suis convaincu. Coronarographie. Rotoscopie. Coloscopie. Ça, c'est la scopie en colo. La coloscopie, en fait, c'est pas une coloscopie. C'est une rotoscopie en colonie. Coloscopie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Incroyable. Et par contre, comment je remonte, moi, là? Je suis niqué. Que du coup, j'ai pas le feu et je peux pas remonter ni descendre. Riboscopie, ouais. J'ai fait une riboscopie, là. Ça marche avec tous les pseudos.
t'ai fait une antoaniscopie là, je te dis pas. Et non, je peux pas remonter. Je peux pas remonter. Comment je peux faire? Si je descends là, je meurs, non? Je vais tout tenter pour aller le plus loin possible. Il me faut ce feu, ça c'est ignoble. Bon, après, si je meurs, j'aurai mes runes ici. Donc en soi, ça passe. Allez, on va tenter. Ouf, à mon avis, j'étais pas loin de crever. Hein. Salut Gilori, pardon. Coucou à toi. Alors que Maître Zom, ça a un potentiel plus comique. Colossum. Ah, ça marche. Hein. Mon pseudo, le seul truc avec lequel il marchait pas, c'était avec... vous savez, comme Oanonyme ou Eranonyme. Ou Galdranonyme. Ribouzanonyme, ça marchait pas. Du coup, j'ai trouvé la parade. Mais je vous dis pas. Je vous dis pas. Ça restera secret. Ribonyme. Ouais, mais non. Ribonito. On dirait un truc de pizza. Bon. Bon dia. Non, bon dia. Mais alors, je suis con, c'est portugais. Mais ce serait... Buenas noches, ribonito. Pizzaiolo de la Mancha. Avec un œuf, SVP. Ribou le caca. T'es calé à la craquer, quoi. Grâce à toi, j'ai repris Elden Ring et je suis au dernier boss. Le dernier boss. Et maintenant, on peut prendre le cheval au dernier boss, apparemment. Nous, on s'est cassé les pattes pendant 2 ans et demi. Pour plus de vie. Putain, mais il est intombable, le truc. Ça. Ok. Donc attendez, je suis de nouveau à l'endroit où j'étais. Ah mais je pouvais passer par là, je suis vraiment débile, j'ai risqué la mort. Ok, attendez, là ça pue. On va essayer de clean un peu la zone. Et merde, il y a des fleurs. Salut Cloud. Alors attendez, j'attends de tuer lui, hop, et je vais changer d'arme. Je l'ai pas viré, hein. Ah non. Hop. Et merde. Mon armure, c'est l'armure de la pomme de pin. On la débloque sous le sapin occulte. C'est vers Altus occulte, mais un peu derrière. Je te mettrai après sur la map. En fait, il y a un boss pomme de pin géant et il faut le buter. Cloud. Alors, attends. Le feu. Purification. Je crois qu'on l'appelle la sapinette même. Ah voilà. En plus je regardais ma barre de vie, j'étais là. Parce que j'ai perdu. Je voulais voir les dégâts du poisson. Je me suis dit ah ouais, il envoie le pâté. Le poisson du DLC, il envoie le steak. Et merde. Ah il a pas eu le temps de le... Non, c'est l'armure de Gaius, Cloud. Je te troll, ouais. Il faut aller à l'arrière du château, battre un boss, et en fait, t'auras l'armure de Gaius. Qui est absolument magnifique, pour moi, c'est la plus jolie. T'as le manuel de Grand Potenta. Ça doit être des pots de quelque chose, ça. Des pots de rancœur. Ah, fais voir. Pots de rancœur, c'est quoi? Pots de rancœur.
C'est des esprits vengeurs. Une foule d'esprits vengeurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment utiliser les pots. Ça a l'air vraiment stylé de, d'utiliser ça. C'est là, pour l'armure, Cloud. C'est juste ici. Château noir, porte arrière, tu vois. Voilà. Vous pouvez accéder vraiment par des chemins de... C'est vraiment long, hein. Tu fais un tuto qui sort aujourd'hui, à, normalement à midi. Ou à 17h, je sais plus. Pour... bah, du coup, pour pouvoir aller facilement à l'arrière du château. Ok, Cloud, courage. Et merde ! Un ribopotame ! Clac ! Ah. On m'a donné du cheat code. Je l'ai éclaté, hein. Je l'ai éclaté. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh ! Moi, j'aurais pu aller récupérer mes runes par là, en fait. À l'époque. Rutine. Ok. Attendez, on va tous les amener. Je pense que c'est la meilleure technique. Je vais juste prendre ça au cas où. On a mémé. Ah, vous, on vous connaît, hein. Mais non. Mob de con. Surprise, motherfucker! Youhou! Et ben voilà, cendre de guerre, invocation de flamme spectrale. Mais non! On a débloqué la cendre de guerre de l'aiguillon funeste. Oh. Oh. C'était clean là, je l'ai défoncé. Meilleur boss du DLC, franchement. Quoi? Invocation des flammes spectrales, utilisable sur les épées et les lances. Sauf armes de petite taille. Attends, sur les lances. Ce qui veut dire que je peux avoir la lance de Gaius en congélation flamme spectrale. Oh là 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 là. Combien de runes? Ah ben dis donc, ils ont été généreux. Mais je m'attendais pas à ce boss. Je m'attendais pas du tout à ce boss là. Salut Katon, coucou. Et salut à Coco, Demar le Zip, coucou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette célébration? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Coussou rouge, ouais. Boss réutilisé. Coup de gueule. Gros coup de gueule, là. Vidéo de 8 minutes, minimum, en coup de gueule. Coup de gueule, les boss, c'est les mêmes. J'ai pu trouver des ulcéreux en trash mob et un volatile funéraire. Non mais stop là. Bon, par contre c'est vraiment un coin pour la magie, hein. Coquelicot et Pétunia. Ok, d'accord.
Il n'y a pas un feu, quelque chose pour se reposer quand même? Ouais, je commence à être un peu dans la merde. Toi, tu l'attendais, toi? Ah non, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc, un grand squelette géant, tu vois. Parce qu'il y a il y avait des morts de partout. Et du coup, attendez, dans l'inventaire, j'ai débloqué ça, alors. Et ça. J'ai trop envie de jouer... magie, en vrai. En fait, je voudrais faire de la foi et de la magie. Mais j'ai essayé, on peut pas tout avoir. Ouais, les hippopotames, là, ça se voit. C'est vrai. C'est les T-Rex de Kaelid avec un costume. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Trop déçu. Puis le level design, je trouve qu'il est trop compliqué. Voilà. Je trouve vraiment que c'est trop complexe. C'est pas beau. Bleh, que c'est moche. Bah. C'est faux. Ah ouais, on est là. Oh. Ah ouais, d'accord. Je vois où on est là. On est à l'aval de je sais pas quoi. L'aval de Lélac. Ok. Et un petit crâne gardien. Ah, j'ai pas fait le build, moi, le loup dissident. Enfin, j'ai pas encore joué magie. Avec le dragon spectral. Ouais, non, mais... Ils ont abusé, là, avec le dragon spectral. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai marre qu'il y ait que des armes d'ex. Ce rouge. Désabonne-toi. Non, c'est vrai? Attends. Intel et d'ex. On va essayer ça, voir. Changeons le talisman. Donc c'est quoi, déjà? C'est une hallebarde tranchante et perçante. Avec, dessus... La compétence frappe de rancune. Vous tournoyez et entaillez vos ennemis. Bon, on va tester. Eh ben... Où est l'arme? Où est mon arme? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, on dirait qu'il va sortir un truc, mais il sort rien, tu sais. C'est le truc... Ah oui. Ça a l'air bien, ça. À utiliser. Magie. Étonnamment. Dégâts de ténèbres. Et y a ça aussi que j'ai débloqué. En termes de magie. Regardez ça. Les griffes nocturnes. Je peux lancer des trucs. Hop là. Hop. Voilà. J'avais débloqué un autre truc aussi hier de magique. C'était ça. C'était l'épée spirit. Elle fait le même truc que ça. Ah, j'ai plus de mana. Mais en plus petit quoi du coup. C'est une épée? Ou c'est une dague? Épée courbée, ouais. C'est petit quand même. Voilà, c'est pareil. Avec la rune de la mort. Allez-y. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai l'air d'avoir fait toute cette partie-là. Hop. On va essayer de trouver d'autres endroits. T'as vu, il est original le moveset. Franchement, je trouve ça cool qu'ils aient fait des trucs avec des ténèbres, enfin des dégâts de ténèbres comme ça. Je suis vraiment un sac à caca. Ok. Bon, je vais pas me soigner.
D'accord. Ah oui. Oh, attention, je trouve trop complexe le level design. Salut Alain Chabat. Comment ça va Alain Chabat? Ok. Mais on va aller voir là, du coup. Là, on peut passer peut-être aussi ici. Attendez, je suis allé là-bas. J'y suis allé là-bas, mais pas en haut. Papa. Putain, c'est grand. Hein. Oh. Vous imaginez, 40 euros. 40 euros pour tout ça. Mais bonne anif! Merci, sociopathe. Et bonne anif en web, bro. Merci beaucoup pour le resub. Merci. Abonne-toi! Comment ça va, sociopathe? Est-ce que tu fais du gaming? On va monter là. Hein. Oh là là, géant! Ça, par contre, ça va être costaud. Hein. Je vais passer par là. Et Gookie! Gookie! C'est trop mignon comme pseudo, Gookie! Merci pour le Prime, merci beaucoup. Tu fais du travail? Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Courage pour le taf. Allez, on va essayer d'aller faire le golem de feu. Hop. Ah, mais j'ai des runes à la pelle. Attendez, maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait faire un aller-retour, je vais aller là. Attends. Il est où le feu? Attends, mais c'est un feu que j'ai pas allumé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Oh, il y a une grotte. Oh là là. À l'aide. Ah non, faut absolument que j'utilise mes runes, ouais. Mais oui, il protège quoi là? Derrière. Je comprends pas ces hommes. Je suis perplexe. Faut absolument que j'aille faire un pipi tactique, moi. Ok, let's go. Bah du coup, je vais couper pour YouTube. Des bisous YouTube. Ciao, ciao.